Le lendemain matin, 6h pile, les enchères commencent au marché au cadran d'Amsterdam. Dans cette grande salle, mais aussi aux quatre coins du monde, depuis n'importe quel ordinateur, 30 000 acheteurs se disputent les plus belles fleurs au meilleur prix. Celui-ci travaille pour un grossiste français basé à Rungis. Il guette nos fameuses roses rouges et il fait mouche, le doigt sur la gâchette. Ah bah oui. 61. Voilà, j'en ai acheté. 61 centimes pièce. C'est cher ? Ouais, c'est plus cher qu'hier, mais ça reste un bon prix. À la fin des enchères, c'est la course. 20 millions de fleurs prennent la direction de tous les pays d'Europe. Parmi elles, nos roses rouges du Kenya, en route vers Paris. C'est tout de même un voyage de 7 heures.